Ça a pris pas mal, genre, toute ma personnalité. Parce que dans le sens que c'est ça qui m'a vraiment fait développer mon caractère. Tout ce qui est travailler fort, l'esprit d'équipe, ou que ça soit la discipline, la persévérance. C'est vraiment des qualités que j'ai vraiment développées seulement à cause du football. Avant ça, je savais pas vraiment ce que je voulais devenir, tu sais, t'es encore jeune. Mais je pense que dès que j'ai commencé le football, comme ça a pas vraiment pris longtemps avant que je me dise genre, damn, comme ça serait fou que je puisse faire quelque chose de gros avec ça. Il y a des fois, je dis, mais Paul, faut que tu sortes avec des amis, faut que t'aies une girlfriend, comme you need balance in your life, il faut que tu fasses d'autres choses. Il me dit, non, maman, oui, je vais voir des amis et tout ça, mais je veux vraiment comme faire mon sport, faire mes entraînements, lire mes livres. If it's important to you, you'll make time for it, right? And everybody thinks when they see the highlights on television that it just happens. People don't realize the amount of hours that they're doing in the background to get those highlights. Ici à Montréal, je pense que ce qui rend ça tellement spécial puis ce qui est tellement différent, c'est que tu dois vraiment, en tant qu'athlète, prendre les précautions par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, on a les équipes, oui, on a les systèmes pour nous aider à développer, mais tu dois avoir la volonté de trouver tes propres entraîneurs, d'aller chercher ces opportunités-là pour toi, pour devenir un meilleur joueur, parce que les choses ne sont pas données. To be able to go from school, take public transport, and then get to the field, and then leave the field on time to be able to go back home and be able potentially to do more schoolwork, that's a challenge. And it's also a life challenge. The more you're able to containerize the way that you do your work-life balance, the more you'll be successful. Ça crée quelque chose chez un athlète qui est différent de tous les autres. Ça crée un certain aspect de ta personnalité, une résilience un peu. Je pense que c'était plus un moment où genre, j'étais à force de venir aux pratiques, à force de créer une connexion avec les gars, puis de voir vraiment c'était quoi le sport, de voir vraiment genre aussi ce que Sonyut m'a ramené, genre jouer avec Sonyut. C'est ça qui a fait développer ma passion en fait pour le football. La dynamique que j'ai avec mon frère, je la considère très spéciale parce que c'est le petit dernier dans notre famille. Donc c'est un peu comme... Pour moi, ça a toujours resté mon petit frère, même si maintenant je le vois grandir et je réalise que c'est un adulte en fait. On a une relation qui est très bonne, je dirais. On est quand même assez proches. Mais Paul, pour moi, c'est un peu comme un loup solitaire un petit peu. Donc il fait souvent ses choses de son côté. Et du coup, je chéris les moments qu'on a ensemble parce que... Ça arrive pas forcément super souvent qu'on se retrouve à passer du temps ensemble, mais quand on en passe, on a toujours des fous rires et on s'entend toujours bien. Après, quand je me remets dans le fait de me lever à 6 heures, les premiers jours, je vais trouver ça tellement désagréable, même si j'ai dormi 7 heures ou 6 heures, que je vais hit snooze, puis pas hit snooze, puis me réveiller à 6h05 ou 6h10. Puis ça serait quand même au moins pas trop loin. Je vais hit snooze, je vais genre... tellement être dans le nid que je vais éteindre mon téléphone au complet. Ouais. Parce que je suis frustrée avec moi-même. Ouais, moi, les premiers jours, ça a fait ça. Puis là, je me réveille à 9h ou à 8h. Moi, genre, le max, ouais. C'est genre, on va dire, j'ai mis mon alarme, là, je l'éteins. Puis là, genre, je suis comme, oh, fuck, pendant comme 5 minutes. Ouais. Puis là, après, je sors du nid. Mais tu te rendors pas? Non. Alors que t'as éteint ton alarme? Ouais. Puis elle va pas parce retenir. Que je sais, non, c'est parce l'anxiété que... de ouais, te dire exact. Que c'est pas sa chance. Je sais que, genre, non, parce que je sais que. Un de mes meilleurs moments avec mon frère, je pense que c'est quand on est à Londres. On est allé à Londres ensemble, un voyage avec ma grand-mère. C'est un de mes meilleurs moments parce que c'est un moment que j'ai eu tout seul avec lui. Donc c'est quelque chose que je chéris forcément. Il était encore très jeune, je crois qu'il devait avoir 9 ans. On avait pris le bus autour de Londres, on avait visité toute la ville. On parlait anglais, on rigolait. Voilà, c'est un peu des souvenirs d'enfance, on va dire, parce que Paul, il est très curieux, donc il regardait un petit peu partout. C'était une nouvelle ville pour nous. Puis c'était les vacances, donc c'était comme un peu une période d'insouciance. Puis c'était un des premiers moments que j'avais toute seule avec lui.
Après un moment, on va dire, moins joyeux que j'ai eu avec mon frère, c'est sûr, c'est quand il a eu son accident. Je savais même pas qu'est-ce qu'il faisait cette soirée-là et j'ai juste reçu un appel d'un hôpital qui pensait parler à mes parents et qui m'a dit « Oui, bonjour, Paul est à l'hôpital et il y a des membres de la sécurité avec lui, vous inquiétez pas. » Je comprenais absolument pas ce qui se passait. J'ai dit que mes parents étaient pas là, ils étaient au cinéma et j'ai compris qu'il s'était fait poignarder et qu'il était à l'hôpital. Et la chose qui m'a énormément inquiétée, c'est qu'on me dise qu'il y avait de la sécurité aux alentours de sa chambre parce qu'ils avaient peur que quelqu'un lui en veuille et veuille encore du mal et à essayer de le retrouver à l'hôpital. Que quand mieux... J'ai pas envie de rentrer dans ça. Ils nous ont appelés, on est allé à l'hôpital, il était aux soins intensifs, il y avait une transfusion parce qu'il avait pris un coup de couteau dans le thorax. Donc jamais j'aurais imaginé ça, donc... une énorme tristesse, comme je pense que c'est la pire des choses pour un enfant, pour une maman, de se dire que son fils va peut-être mourir. Ça m'a fait énormément peur parce que j'ai compris qu'on était face à un problème qui nous dépassait nous et qu'il y avait beaucoup de choses que je savais pas par rapport à mon frère. Donc c'est sûr que ça faisait un choc. Puis après, ça a été aussi difficile parce que c'est moi qui ai dû appeler mes parents pour le dire. Puis ça a été comme... Ça a été comme une bombe, en fait, un peu, qui a explosé cette journée-là. Puis pendant ce moment-là, c'était la COVID. Y avait, la saison de football, je me rappelle, a été cut, genre, au milieu. J'étais plus vraiment concentré sur le football. J'avais plus vraiment cet aspect-là dans ma vie. Et justement, comme je faisais vraiment juste chill dans le quartier, dans mon école, puis je me suis impliqué dans certaines situations qui ont mené à des incidents. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de courir après quelqu'un. Puis cette personne-là, pendant que j'étais en train de courir après elle, j'étais en train de la rattraper. Puis... Non, matter of fact, je vais pas dire tout ça. Comme... Non, ce qui arrivait à Paul, c'était extrêmement difficile, je pense, à vivre pour la famille parce que c'était un vrai choc pour nous. C'est sûr qu'avant ça, certains diront peut-être qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Moi, le seul que je pourrais noter, c'est la perte de contact avec Paul, c'est-à-dire que je voyais mon frère qui était plus dans son coin, de plus en plus silencieux, même dans les repas de famille, il partageait moins de choses, il se renfermait sur lui-même, il y a comme une carapace un peu. J'ai jamais eu la discussion avec mon frère de ce qui était arrivé. Je sais que ma mère a essayé de lui en parler, et à table, parfois, c'est ressorti dans des moments de conflit et des moments de tension. Moi, je ne saurais jamais complètement ce qui est arrivé, puis j'ai décidé de faire la paix avec ça, parce que Paul, il a choisi de ne pas nous dire grand-chose, mais... On a déjà commencé à essayer de mettre des choses en place avec mon mari, de lui trouver un coach sportif, de lui faire voir un travailleur social et tout. Puis là, on était comme, ok, ça va bien, là, il a compris le message, mais en même temps, c'est un ado de 14 ans, tu ne sais pas s'il comprend ce que tu lui dis. Tu sais, you're not in his head, you don't know if it's okay. Puis finalement, on pense que ça va mieux. Puis là, on lui dit, Paul, OK, tu fais attention, tu traînes avec les bonnes personnes, tu te mets dans le foot. Mais c'est la COVID en même temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est difficile, il n'y a plus de musique à l'école parce qu'il était dans un groupe de musique et tout ça. Puis finalement, en juin, boum, deuxième agression. Il se retrouve à nouveau au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est dans une autre bataille avec des gars. Puis il se prend un coup de couteau dans le visage. La deuxième fois, quand j'ai appris que c'était arrivé, je pense que c'était encore plus horrible. Parce qu'il y avait énormément d'efforts que mes parents avaient fait. Moi, j'avais cru voir une certaine amélioration chez mon frère. J'avais l'impression que ça allait mieux, donc forcément, il y avait comme ce sentiment de confiance qui était en train d'être reconstruit. Puis j'ai vu mon frère revenir. C'est mon père qui l'avait raccompagné de l'hôpital avec sa cicatrice sur la joue qu'il a encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé ça très dur parce que ma mère, elle a rien dit. Je pense qu'elle avait dit tellement de choses pendant tellement longtemps. Elle a comme à peine pleuré, elle est juste restée silencieuse, puis elle s'est comme effacée. Moi, j'avais juste peur qu'il se fasse tuer, en fait. Parce que s'il continuait à traîner avec des gars qui avaient des couteaux, qui avaient des trucs, on ne sait pas. Il y en avait peut-être qui étaient dans des gangs de rue. On ne sait pas exactement c'était qui, cette gang-là, puis jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et là, on a dit à Paul, de deux choses l'une, soit tu acceptes de travailler avec nous dans le bon sens pour sortir de tout ce pattern, puis changer ta vie, puis
aller dans le foot parce que c'est ça que t'aimes, soit sinon, tu vas aller en pension, puis même là-bas, tu pourras continuer à faire des conneries, puis tu vas juste empirer, mais nous, on ne pourra plus rien faire pour toi. Comme on va give up, puis tu vas aller ailleurs en pension parce que ça ne marche plus. Et là, je pense qu'il a compris dans sa tête, il y a un déclic qui s'est passé, il s'est dit, ok, ça y est, là maintenant, c'est moi qui dois faire quelque chose. C'était pas facile d'avoir l'impression de connecter avec lui durant ce temps. Puis j'ai eu un peu l'impression de comme perdre mon frère pendant un moment. Donc ça, c'est sûr que c'était une période où je le sentais moins proche de nous, moins proche de moi. Et donc c'était plus difficile. Voilà. I think with every moment in life, you have two choices. You either allow it to define you, or you allow it to contribute the fuel of what it will be for you in the future. Your winning percentage in life is very small. You know, most of the time you're losing, whatever you do. You know, most of the time you fail. So it's how you deal with those failures that's going to define you as a person. You know, and a lot of time, you know, that age group, you know, like you're immature, it's easy, it's the blame game. You know, you play a game and everything, it's never your fault. You know, it's so easy to blame the others. So one of the first things we do teach them is responsibility. Je me rappelle, j'ai le souvenir d'en aller à Sivière, puis je me rappelle de juste avoir eu le souvenir de genre, damn, genre, en ce moment, je pourrais être comme j'aurais pu être en train de, you know, jouer au football, genre. Puis à partir de ce moment, c'est vraiment là que je me suis dit, genre, si je réussis à comme sortir de ça, comme c'est sûr que je dois faire quelque chose avec le football, comme c'est sûr, je peux pas perdre l'opportunité, tu vois ce que je veux dire? So at Sun Youth, you know, it's more than just about wins or losses, huh? So like being the top organization we are and dealing with the kids that we have in the, under the program, it's more than just football. It's also teaching them how to be responsible young men. Voir. Comment je fais la pagination à droite? Bah, va dans mon travail. Fichier. Il demande dans mon travail. Ouais, bah va dans fichier. Non, c'était pas ça. Où est-ce qu'elle est ta barre d'outils? Excuse-moi, en haut. Voilà, merci. À droite, c'est là. Non, ça, c'est pas la pagination. Ah non, tu veux mettre la pagination, ça, c'est quand tu fais tout justifier vers la droite. Moi, quand l'agression de Paul est arrivée, je me suis dit non, c'est pas vrai, je peux pas juste m'écrouler, faut que je me mette en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire comme mère pour l'aider? Ok, il faut qu'il c'était la Covid, faut qu'on trouve un coach pour l'aider parce qu'il a besoin de faire du sport. Ok, il faut que je le change d'école parce que là, il faut qu'il change d'environnement. Ok, peut-être qu'il faut qu'il voit un travailleur social avec qui il va cliquer, il va bander, puis il va pouvoir parler avec lui. Ok, il faut qu'il travaille, donc il faut qu'il se trouve utile. Maman, t'as pris mon Hugo? Ouais. Laisse-moi le finir. Ah, mes parents, ma famille, ils ont vraiment été là pour comme me supporter. Puis justement, je me rappelle aussi que directement, après que ça se soit arrivé, comme la première idée de ma mère, c'était qu'elle voulait que je recommence à jouer au football. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'il y a Mef? Il a toute cette discipline qu'il a développée avec le sport, puis je pense qu'il avait besoin de ça. Le fait que ma mère, justement, ait pensé à me faire jouer au football pendant que tout ça, ça arrivait, je suis vraiment reconnaissant envers ça. It's a beautiful thing to see, you know, like guys that you're used to like blaming and being sore losers and being upset and looking for excuses to standing up. You know, when they do make a mistake, they just stand up to it. You know, like as a person and as a group. Ce que je recherche ici, fais pas attention à genre extension de la jambe et tout. Ce que je recherche, c'est juste ton talon qui est le plus haut possible à chaque fois. Ok. C'est ça. Propre, propre. Oui. Allez, on reste bien sur l'avant du pied, on reste bien sur l'avant du pied. Ok. Quand tu veux.
plus intéressant. Parce que si ta cheville est forte, là, tu vas rebondir et tu auras moins d'absorbance. Ouais. Et si tu absorbes moins, ouais, c'est ça. Au plus que tu absorbes dans le genou ou dans la cheville, au plus que tu t'écrases, au moins que tu rebondis sur le sol. Ouais, tu fais genre... C'est comme si t'as un bâton, et tu le fais taper au sol, ben, le bâton il est toujours droit. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il rebondit, il repart. Le bâton il va jamais se plier, tu vois. C'est pour ça que la force, elle vient au sol et il repart. Ben, ta jambe c'est pareil, si ta jambe elle est bien forte, tu rebondis au sol. Et c'est ton talon qui, s'il descend pas... J'ai aussi des bons amis qui aussi m'ont réussi à mettre la tête sur le droit chemin en me disant, genre, yo, comme si tu veux faire du football, comme fais ce que t'as à faire, genre, c'est ça la vie qui t'attend, c'est pas ces événements-là, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui décides qu'est-ce que t'as envie de faire. All is done right. I kept running. Every time. Yo, he wasn't running, bro. He was outside the store. Yeah, yeah, yeah. I'm done. Une fois, je lui en ai parlé et j'ai essayé vraiment d'être pas dans le jugement. Et je lui ai pas tellement demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça ou peu importe. Je lui ai juste dit qu'on était là pour lui et qu'on l'aimait et qu'on allait toujours l'aimer. Et qu'on tenait à lui. Et moi, je lui ai dit aussi que j'avais, je pense que je lui ai dit que j'avais confiance en lui et que je savais qu'il savait au fond de lui qu'est-ce qui était bon. Puis de se laisser guider par ça. Et il a réalisé que... You know, like younger guys on the team were looking up to him, and he could no longer do something stupid like that. First of all, because it would hurt himself, it hurts the team, and what kind of example are you setting up for the younger guys that are looking up to you? I think that he's also used that as a driving force for himself, and I think that when you look at you know, events in one's life and people using them as driving forces, they usually turn out very successful. Et je pense que la vie aussi parfois c'est faire des erreurs. Et tant que tu apprends tes erreurs, tu es toujours gagnant. Et je pense que tu construis ton indépendance et ton autonomie basée sur les choix que tu fais et sur les conséquences de ces choix-là. Et je pense que Paul, il a compris ça. Donc moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être confiante dans les choix que mon frère fait. Pense pas à ce qui est juste bon pour toi ou juste ce que tu as envie de faire, ce que ta fierté ou ton ego ou tes envies te disent de faire. Pense à ce qui est bon pour les gens autour de toi. Pense à ce que ta mère voudrait que tu fasses, ce que tes amis voudraient que tu fasses, ce que les gens qui t'aiment et ce que les gens pour toi voudraient que tu fasses et savent qui est bon pour toi. Il n'y a pas juste toi qui est impliqué là-dedans, il y a toute ta famille, tous tes proches. C'est important que tu réalises ça. Fais ce que tu sais qui est bon pour toi, fais pas ce que tu penses ou ce que tu ressens qui est bon pour toi. Paul, évidemment, comme tu sais, je suis très fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Je pense que tu es vraiment... dans la bonne voie et que tu vas aller très très loin en suivant ce qui te passionne. Je pense que tu as trouvé ta voie et je te souhaite tout le meilleur dans ton futur. Bisous. I think you've got a great character. I think that your character will make you successful in whatever you'd like to do in the future. And I think the most important thing is be confident in yourself and good things will happen. Sometimes you can be your own worst enemy and you know that and we've talked about it before and I think it's important that you take the time to continue believing in yourself, keep working hard and go get that degree. Je sais que des fois je suis dur avec toi, mais au fond tu sais que je suis dur avec toi parce que un, je me vois dans toi quand j'étais jeune. Alors je sais que tu es une bonne personne. Des fois ça sort tout croche, des fois tu as la mèche courte, puis on peut dire que tu es une personne qui explose rapidement, mais je sais qu'à l'intérieur il y a vraiment un bon jeune homme. Alors moi je te continue, tu es talentueux sur le terrain de football, tu es une personne qui est talentueuse, tout ce que tu vas réussir. Je te dis de continuer à faire ce que tu fais tant sur le terrain de football qu'à l'extérieur, et puis de continuer à être la personne que tu es. Good job, Paul. Oui, Paul, mon chéri, je veux dire que je suis vraiment fière de toi. Je suis aussi vraiment très reconnaissante que tu me permettes de faire ça aujourd'hui parce que ça prouve que bah, je t'ai transmis les valeurs de gratitude. Puis tu me laisses
exprimer ça aujourd'hui, que je suis contente d'avoir joué ce rôle dans ta vie. Alors merci mon chéri, bravo. Et puis on lâche pas, on continue.